Salut, salut! Me voici de retour sur. Après autant de temps d'écho sur FIFA 22. Et ben, pour lancer cette saison, on a eu tous les dires et toutes les critiques. On va quand même essayer de démarrer avec ce nouvel opus. Là, j'ai attaqué la coupe. Bouclier IE, je suis en quart de finale. Bon, écoute, on va essayer de se faire une partie jusqu'à ce qu'on la gagne. C'est juste histoire de découvrir le jeu et de se faire son propre avis, quoi. Et oui, je joue encore sur PlayStation 4. Je suis pas encore sur PlayStation 5 comme d'autres avant que moi. Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui Le avec Real de un match qui va se Madrid. jouer dans d'excellentes conditions. C'est à moi, à Matou, qu'on a confié la difficile tâche de commenter ce match. Calmez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Au programme aujourd'hui, vous le savez, un quart de finale du bouclier. Le FC Barcelone On passe en affronte le Real offensive Madrid. d'abord. 8 équipes, hein, il ne reste plus que 8 équipes. Ce sont les quarts de finale. On est rentré dans le dur. Toni Kroos qui va mettre un terme à cette action. Ousmane Dembélé. De Jong. De Jong. Ah, un joueur forcément avec l'équipe. Ouais, la Il bonne en est récupération, fort, très hein. haut. Oh, le poteau. Pas prêt, ça. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Il joue avec Piqué. Et Piqué qui perd cette balle. Allez, il a du champ. Oh oui, magnifique intervention de Ter Stegen. Il a vraiment bien joué le coup, le gardien. Déjà sur FIFA 21, ça c'est Ousmane Dembélé. personne ne venait un but. Hein. Complète séquence de passes des Barcelonais. Ah non, la mauvaise passe. Il y va tout seul. Bien joué. Oh, l'ouverture du score! Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devrait être animé. Avec chaud, hein. Non, on voit les images de la contre-attaque. Ah Choisir ouais. la force à la fin hein, pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. C'est pas grave. C'est le début du match. Lui, il joue avec un bloc bas là. Ah bah voilà. Jordi Alba. Jong. Memphis. Frankie de Jong. Gérard Piqué. Frankie de Jong.
Ah ouais, superbe, il file au but. Mais c'est pas vrai, quelle occasion. C'était une vraie balle d'égalisation. Qu'est-ce qu'il aurait fait du bien, ce but. Benzema. Toujours Karim Benzema. Kroos. Là, il fallait intervenir urgemment. Casemiro qui perd finalement ce ballon. Sergio Aguero. Mais c'est pas vrai ça. C'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Luka Modric. Toni Kroos. Eder Militao. Eder Militao. Casemiro. Toni Kroos. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Pas de problème pour le gardien. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Jordi Alba. Avec De Jong. Joue en bloc bas. Busquets. C'est bien donné dans l'espace. Mais c'est pas vrai. Ça passe pas loin du tout, mais c'était pas cadré. On est quand même pas mal privé de ballon. L'équipe visiteuse n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste et derrière de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives. Benzema. Stegen, attention, l'action qui se poursuit. La charge de Toni Kroos pour récupérer la balle. Karim Benzema. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Sergio Busquets. Voilà. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Bien. Ouais, joli tacle. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Pas fait, toi, sous la pression, l'adversaire. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Voilà, c'est ça qu'ils doivent faire s'ils veulent pouvoir égaliser. Bien joué. À la surface, il y a du monde. Merde, c'est pas vrai. Faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Casemiro. Kamovic. Casemiro. Interception était bien placée. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Et l'action qui s'arrête déjà. Entrée, c'est dangereux. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Ah putain, là-bas. Oh là là. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps.
compliqué cette histoire. On va voir comment le Barça aborde cette seconde période. Ouais, on va pas l'avoir en qu'ils sont mis au score. On a les jeux très très bas en fait. Anke de Jong. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Le ballon change de camp. Toni Kroos. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Par le Barça. Ouais, il intercepte. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu. Dommage. C'est pas ça. Dani Carvajal. Gareth Bale. Ah, elle sera pour le gardien, cette passe. C'est venu en profondeur. Ouais, dans le trou. Ballon bien négocié par le gardien. Karim Benzema. Kamenic. Bon, ça, c'est bien joué dans la course. Eh oui, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Luka Modric. Luka Modric, le bon centre. Et ce centre sans problème pour le gardien. C'est l'équipe locale hein, qui monopolise un petit peu le ballon. Bon, maintenant, il va falloir songer à se créer de vraies occasions. Sinon, le score ne bougera pas. Ouais, pas belle cette passe. Hein. C'est cadeau. Sergio Aguero. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Et oui, hors jeu bien sûr. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. De paille. Qui de Jong. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. C'est dommage, c'est pas bien joué. Voilà, mauvaise relance du gardien. Oh là là, l'intervention là. L'erreur a été bien rattrapée, hein, bien joué dans un deuxième temps. Gareth Bale. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font des joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Stegen le réflexe, oh magnifique. J'ai les occasions mais je les exploite pas en fait. Le corner qui est joué court. Eden Hazard. Toujours un piqué. Passe de Busquets. Ousmane Dembélé. Alors peut-être le corner qui va permettre au Barça d'égaliser, sait-on jamais. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Piqué. C'est pas évident hein, de sortir ce ballon proprement.
Eder Militao. Le ballon perdu par Eder. Allez, peut-être le but égalisateur. Oh, c'était une belle égalisation. Donc on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Attention, c'est peut-être la fin. Oh, quelle occasion ratée et quel dommage. Parce que là, c'est clair que ça a tué le match, vu le temps qui reste à jouer. Ils ont compris, hein, les supporters, que pour revenir, pour égaliser dans cette rencontre, il va falloir se presser un petit peu. Eden Hazard était dans la zone et a récupéré ce ballon. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. David Alaba pour Casemiro. Dani Carvajal. Federico Valverde. Ouais, c'est finalement pour Jordi Alba. Oh, ça va pousser hein, dans les dernières minutes pour égaliser. Coutinho. Mais deux. Oh non, quelle occasion! Quelle occasion! C'était l'égalisation là! Peut-être là, la dernière chance d'égaliser d'ailleurs. Un changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Un petit peu de panache d'un côté ou de l'autre là, parce que la fin de match est vraiment ennuyeuse avec Cissé. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Bien joué. Et le but! Encore un! Bien joué. Et ils prennent un petit peu plus large. On voit ce but. Putain, c'est chiant ça. Un petit peu problématique. J'ai autant d'occasions que lui. Le gardien prend comme ça au premier poteau. Et le coup de sifflet final, voilà, c'est terminé. Et c'est une mauvaise affaire pour le Barça, puisque les Blaugrana sont battus. Ça me saoule. Je vais revenir, parce que là...